Salut tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir, on continue la série La Route du Château pour le sixième scénario avec Hastings. On va voir si c'est un scénario d'assaut de château ou de défense. Donc Hastings hein, qui fait écho à la fameuse, qui peut faire écho à la bataille de 1066 avec Guillaume le Conquérant qui gagne contre le roi Harold de Godwinson. Voilà. Hop, c'est parti. Alors c'est un scénario d'offensive, de prise de château. Tuer le seigneur ennemi ou éliminer tous les ennemis sur une falaise surplombant la mer, Hastings était un bel exemple de fort à tertre et mur d'enceinte. Lorsqu'il accosta en 1066, William le Conquérant ou Guillaume de Normandie fit ériger deux châteaux préfabriqués à portée par bateau. De violents orages ravagèrent la côte en 1287, érodant les falaises de grès friables sous le château, qui perdit plusieurs de ses éléments. Hastings n'essuya aucune attaque militaire majeure, mais vit plusieurs soulèvements paysans au fil des ans. Alors déjà, hop, on va se calmer, on va un petit peu nos troupes. Donc, on va... Je vais mettre en pause 2 secondes, on va regarder un petit peu comment se compose le château. Alors, P pour pause, non, ouais, voilà. Alors, on a un corps de garde en bois, d'accord. Alors, il y a quoi? Il y a de l'arbalétrier, de l'archer. Il y a un groupe de massiers ici. Il y a un groupe de massiers là. C'est un escalier, ça. Ouais, il y a un escalier là. Ok. Donc en vrai, on pourrait essayer de passer ici avec nos troupes, avec un beffroi ou une des échelles. Descendre ici. Et foncer directement sur le seigneur. Mais bon, à mon avis, ça me paraît un peu trop simple. Alors je vais me mettre en pivotant comment pour voir un peu le château là. Bon, ça, pour prendre le château là. Alors attends, j'ai complètement inversé la map comme un con, c'est ça? Ok, donc là on va inverser la polar, à part le sud. Donc là je pense ce qu'il faudrait faire déjà, c'est péter ce corps de garde là. Là il faudrait essayer de mettre un beffroi. Ensuite, traverser avec les massiers rapidement. Ici, aller chercher le seigneur avec les... Là, bon, il y aura 3 spadassins éliminés. Bon, c'est faisable en vrai. Et je pense que ça devrait être bon pour prendre Hastings. Bon. On va regarder un petit peu nos troupes maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a 35 archers, d'accord. Est-ce qu'on a des arbalétriers? On n'a pas d'arbalétriers. Ok. Oui, patron. 56 massiers, c'est pas mal. Bougez-vous, canard! Oui, Toutes les sire. échelles, on va les regrouper au milieu. Vous pouvez compter sur nous. J'ai quelques chevaliers là qui peuvent servir. Compris. Oh, ma pique. En nous avant, vous saluons, nous sommes les spadassins, ça fait peu quand même. Hein. Oui, votre majesté. Monseigneur. Déjà, on va commencer par là. On va se mettre en position. Donc, normalement, ils ne devraient pas pouvoir nous atteindre de là. Les massiers vont sortir, logiquement. Moi, c'est ce que je vois. Il y en a une quinzaine. Hein? Allez! Est-ce qu'il peut nous tirer dessus? Là, on est normalement non. À moins que les massiers ne bougent pas, mais ça m'étonnerait. Archer prêt à tirer. Ouais, ils sortent. Bon, il y en a un. Il y en a qui s'est motivé, c'est bien. Mon seigneur, à vos ordres. Je vais tout de suite me mettre en mode agressif avec mes archers, comme ça au moins ils pourront pilonner. Allez. Voilà, aucun n'a touché la mêlée, donc le deuxième groupe va partir. Et après, il restera ce petit groupe-là. On n'aura plus déjà de troupes pénibles à gérer. Allez, les massiers ici, ça meurt. Parfait. Le dernier groupe arrive. Il fait le grand tour. Ouais, donc à mon avis, là, ça serait pertinent de mettre un beffroi. Hein. Il faudra au moins péter cette porte. Oui. Et là, avec le tir en queue, je peux aller jusqu'où à peu près? Ok, parfait. Donc là, je vais enregistrer pour Hastings. On a éliminé les massiers pour démarrer.
Monseigneur. À vos ordres. Je me demande si je me ménage, je peux me faire toucher. Départ. Mon arc est à votre service, Monseigneur. Instruction. Mouvement. Nous arrivons. Sortez. On va essayer de voir comment ça réagit là. Donc là, on va faire du tir en cloche pour essayer d'éliminer le plus de tireurs sur cette section. Il y a déjà un archer qui tombe. Un autre arbalétrier. Allez, un archer, un arbalétrier. Il nous reste donc encore un archer, un arba tombé de cette porte. L'archer, c'est fait. Il ne reste plus que l'arba. À vos ordres. Bien. Oui. Donc la porte s'écline. Écrase. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on... Est-ce qu'on a nos ingénieurs là? Ils sont où? Comment on en a 8. Nous vous aider. Déplacement sur le site. En vrai, est-ce que je tirerai pas au trèbe? Vas-y. Construction de l'artillerie de siège. Vas-y, comme ça je garde deux ingénieurs en réserve. D'une construction. Est-ce qu'on peut toucher les murs là? Calcul. Trébuchet prêt. Calcul. Sire. Bien, bon bah la porte vient de tomber, ok. Trébuchet prêt, sire. Calcul. C'est con parce que là on aurait pu faire un petit move sympa. Trébuchet, vous avez besoin d'une construction. Est-ce qu'il y a une balise dans le tas, non? J'essaie de pousser jusque ici. Alors, est-ce que ça serait pas un peu gridé en fait quand je fais construction ça? De l'artillerie de siège. Que faut-il faire? Non, ça va. Ça va, façon de parler. Trébuchet prêt. Je peux toucher le mur là si je veux. Calcul. Ok. Dommage d'ici. Ok. Calcul. En vrai, si on tombe la tour, là, on peut passer. Hein. Bon, le mur vient de tomber. Donc là, les spadassins viennent de se replier, d'accord. Mais en vrai, là, on élimine un bras zéro potentiel, là. Voilà, ok. Encore un coup, ça doit être bon. Pierre nécessaire. Alors là, les prêtres, est-ce qu'on peut balancer une carcasse sur ces prêtres là pour gagner un peu de temps? Non. Pierre nécessaire. Voici la vache. Dommage. J'espère qu'ils aiment le bœuf. Non plus. Quelle puanteur! Ah, il y en a une qui est quand même là. Oh, jolie celle-là. Elle va bien amocher les prêtres. Il y en a un autre qui a succombé, ça fait plaisir. Quittez l'artillerie de siège. Doit fin être du combat. Nos outils sont prêts. Construction de l'artillerie de siège. Une tâche à remplir. Construction de l'artillerie de siège. Trébuchet prêt. Nous ferons de notre calcul. Si on tombe la tour là, on peut entrer. Bon, bah, y a un archer qui a pris cher.
Enfin, lui, il y a plus pour tout le monde, le pauvre. On devrait pas tenter un petit tir là. Lancez-moi ça. Voilà la Berthe. Oh joli. Oh le nettoyage qu'il y a eu sur les prêtres là. Enfin, les moines guerriers on va dire. Alors lui il peut prendre deux... il peut mourir. Ouais il meurt, c'est bien. Trébuchet prêt, sire. On va viser la tour calcul là. Et je commence à avancer mes masses. Nous sommes spécialistes. Est-ce qu'on a dû lancer dans le tas? Oui, on a dû lancer. C'est loin. Ouais, c'est bien. Nous sommes à vos ordres. Les troupes en armure, je vais les envoyer aussi. Nous sommes justement en chemin. Ah bah il y a un archer qui a pris un caillou dans la gueule, ça lui apprendra. Je suis à vos ordres. Même j'ai mes cavaliers là, en vrai je pourrais les envoyer nettoyer quelques tireurs là, pour faire pour ce pour le chemin là. Portez armes, pique. Nous attendons vos ordres. Ok. Nous allons les disperser. Dites-nous ce que nous devons faire. Du gâteau. Pas de problème. Quels sont vos ordres? À vos ordres, sire. Vos désirs sont les nos ordres. Nos lames sont prêtes. Pour votre honneur. Chargez. Allez, vas-y, meurs. Tue-moi tout ça. Bien joué. Là, les archers en moins, là, ça va nous aider. Allez. Chargez. Voilà, c'est tous les lanciers qui prennent, c'était le but. Vous allez compter, ce sera facile. Quoi vous avez besoin? Ouais, ça c'est fait Hastings. Voilà, bon, on a perdu 29% de troupes, ça va. Donc en vrai, on pouvait aller plus vite en prenant avec le Beffroi. Là, je pense que le trébuchet dans la tronche, ça a fait le taf. Donc voilà, c'était l'assaut de d'Hastings. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la route du château. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!